各位朋友们，大家好，我是杰宇老师。嗨，大家好，我是朱莉。大家好，我是 Tristan。看到这位帅气的法国人跟美丽的法国人，是不是觉得他们讲法文好浪漫？我们今天就来讨论一下刻板印象啊，因为我们身为外国人，在国外生活会每天面对大家对于我们国家的刻板印象，所以我想要跟你们稍微讨论你们怎么应对，有什么样的感受。这部影片又是用法文来进行，所以不用担心。Est-ce que vous avez déjà été confronté à des stéréotypes et est-ce que votre nationalité est plutôt un avantage ou un désavantage lorsque vous voyagez à l'étranger ? Ça dépend vraiment de quel pays. Plus on s'éloigne de la France, mieux on est vu. Plus on est proche de la France, moins bien on est vu. Quand on dit qu'on est français en Espagne ou en Angleterre, parfois on a des réactions assez hostiles en Suisse. Voilà, exactement. Alors qu'au contraire, dans les pays asiatiques, ils ont plutôt une vision, la France est romantique. Dans le fond, est-ce que ce n'est pas le cas pour tous les pays ? Si on prend le Japon, par exemple, elle est très bien perçue en Europe, aux États-Unis, alors que dans beaucoup de pays d'Asie, ça passe mal. C'est la même chose sur la Suisse. Enfin, j'ai souvent été confronté à des remarques pas très agréables de la part d'Italiens, d'Allemands, de Français. Plus je m'éloigne, plus on méconnaît mon pays. C'est Heidi et les montagnes. Avec les Français, c'est plutôt l'évasion fiscale, le fait de ne pas faire partie de l'Union européenne, des référendums polémiques. En Asie, ça va être les montres, le chocolat, etc. Mais je pense que de manière générale, être Suisse, on suscite moins de réactions. Les Taïwanais adorent renvoyer des images stéréotypées de nos pays quand on se présente. C'est pour engager la conversation, tout simplement. Par exemple, les Français, ça va toujours être « Oh, fa guo hao lang man, oh, fa guo hao mei ». Alors souvent avec la Suisse, ça bloque. Je viens de Suisse. J'imagine alors que vous, en tant que Français, vous devez en manger du cliché. Ce que tu disais sur le romantisme tout à l'heure, ça a même lieu avec la langue. Je me souviens un jour au Japon, je parlais français avec une amie française et les gens autour se sont arrêtés et nous ont dit « Oh, c'est tellement beau, tellement romantique quand vous parlez ». On était en fait en train de se donner des conseils pour la meilleure façon de nettoyer ses toilettes. Souvent, les élèves me disent que peu importe ce qu'on dit en français, ça a toujours un côté justement romantique. Ouais, ça sonne bien. Même quand vous dites « putain, merde, oh, c'est tellement beau !»« Morve, crotte de nez !» C'est peut-être les sonorités qui font que les Asiatiques vont trouver ça plus romantique. Enfin, ça sonne mieux, même si on dit des absurdités. Ils ont une conception complètement biaisée. Je pense que la définition même du romantisme est différente ici et en France. C'est quand on t'offre plus de vaches à la mariée avant la cérémonie du mariage, Non, c'est vrai qu'en Asie, il y a une tendance justement à approcher le romantisme avec la relation d'argent, qui n'existe pas du tout en fait en France, où le romantisme c'est plutôt une question d'émotion, de sensibilité, de relation avec l'autre. Mais c'est pas forcément je t'invite au restaurant, porter ton sac, voilà. Faire tes lacets. Faire ses lacets, mais c'est vrai. On m'a refait les lacets, j'ai fait... T'as jamais vu ça? Les mecs taïwanais qui font les lacets... Ah non, mais je vois, mais... Par exemple, les Taïwanaises qui décortiquent pas leurs crevettes au restaurant. Ah oui. Voilà, le travail, non, ça doit être effectué par l'homme. Et j'ai déjà rencontré une Taïwanaise qui m'a dit que son rêve, c'était d'avoir une personne qui arrive à prendre sa nourriture avec les baguettes et en fait de la nourrir, quoi. Et je comprenais pas cette manière, parce que moi, c'est presque de l'assistanat. On s'occupe des enfants de cette manière, pas d'un copain ou d'une copine. Enfin, c'est insinuer qu'elle est dépendante de toi. Enfin. Après, il y a aussi des stéréotypes plutôt négatifs envers les Français. Typiquement, les Français ne se lavent pas, par exemple. Ça, je l'ai entendu un nombre... Ça va. J'ai entendu un nombre... Je confirme. Innombrable de fois. Le parfum, vous l'avez inventé parce qu'en fait, vous vous lavez pas. En Suisse, on a énormément de clichés sur les Français, mais alors que le fait qu'ils ne se lavent pas, jamais entendu. C'est les Américains. Enfin, j'ai l'impression que Taïwan a aussi reçu pas mal de stéréotypes, pas que sur les Français, mais des Américains. Ce serait pas à cause de Pépé le putois ? A sweet, a clever, we will never part again.
C'est que des stéréotypes sur les Français, je le ressens parfois indirectement. Quand j'étais dans le nord de l'Espagne, en Catalogne, je parlais en français avec des personnes de ma famille. Et c'était le serveur qui nous regardait vraiment très mal. Et au bout d'un moment, parce que je parlais espagnol, je lui dis « Ah, venimos de Suiza, on est Suisse. » Et « Ah, il est devenu super sympa. Ah, je pensais que vous étiez encore des Français. » Moi-même, à Taïwan, j'ai rencontré d'autres étrangers. Et quand je leur dis que je suis français, c'est « Ah, encore un autre français, il y en a trop. Ah, mais moi, j'aime pas la France. » Les gens se permettent de dire en face de toi, comme ça, qu'ils aiment pas ton pays. C'est vrai que des fois, je pense que c'est surtout lié à la politique, à l'histoire. Enfin, moi, j'ai des amis belges, par exemple, ça les saoule à l'étranger d'être tout le temps assimilé à des Français. Quoi. Ouais. Non, je suis pas français, je suis belge. Quoi. Et ça, je comprends, je trouve. Est-ce que vous, quand vous rencontrez, par exemple, toi, Tristan, quand tu rencontres des Français à l'étranger ou toi, des Suisses à l'étranger, est-ce que vous avez une perception de... Alors, on est très peu nombreux, les Suisses. Alors, j'ai plutôt tendance à me réjouir. Mais il faut savoir qu'en français, il y a un concept très important, c'est le dépaysement. Moi, ce que j'admire dans la culture française, c'est aussi cette manière de penser. Il y avait, par exemple, un forum où les Français parlaient de l'endroit où on parlait le moins anglais à l'heure actuelle. Pour les Français, c'était au contraire, ils aiment beaucoup le Japon, parce que là, ils sont vraiment confrontés à la barrière de la langue, aux difficultés du voyage. Et c'est là où, en fait, on se rend compte, ah ben, je sors de mon quotidien. Touristiquement parlant, nous, en tant qu'Européens, on va rechercher l'authentique, l'historique. Genre typiquement, quand on va au Japon, c'est pas pour aller faire des magasins, mais justement pour trouver le Kyoto, voilà, ouais. ce vieux Japon. Alors c'est courant de rencontrer des Français qui nous regardent un peu mal, qui se plaignent ouvertement. Ah, encore un autre Français. Ouais. Ah, t'es pas français peut-être ? En vrai, je plaide coupable. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé, j'étais dans le bus et il y avait un groupe de Français, sûrement étudiants, qui parlaient mais tellement fort dans le bus. Ça se fait peu à Taïwan de parler fort. Et en fait, ça m'a exaspérée. Et j'ai fait, oh, franchement, genre, les Français, c'est relou, quoi, genre. Après, genre, il y a un côté positif, parce qu'il y a beaucoup de Français un peu partout dans le monde. On n'est pas tant que ça en tant que population mais on est très présent ailleurs. Et ça m'est arrivé, par exemple, au Japon, d'être perdue, de me retourner et de faire « Oh, excuse me », en fait, je tombe sur un Français, quoi. Je pense qu'on se sent entre Français, genre, il y a un truc, je pourrais pas vous expliquer comment, mais quand je vois une personne, je sais s'il est Français ou pas. Et il y a des signes, en général, un béret, une baguette. Et sentez l'odeur. Le vieux fromage. Il y a quelque chose de physique, peut-être une attitude qui est très française. Je ne sais quoi. Oui. Et la perception de Suisse à l'étranger. En général, la Suisse, on a une image de pays très riche, neutre, le chocolat, les montres, Roger Federer. Donc, c'est plutôt connoté positivement. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, je suis plutôt confronté à des clichés sur les Français. Ils connaissent aussi très mal la Suisse, et puis la France, c'est partout. Donc, peut-être, je pense que par effet de ricochet, on me demande si je suis fainéant, un peu toujours en train de râler. Des questions sur la grève, le fait de ne pas aimer travailler. Non, je pense récemment, c'est à cause des gilets jaunes. On a vu toutes ces images de Français qui caillassaient les magasins parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Et en fait, ça pèse aussi sur notre réputation en tant que Français, alors qu'on est des bons travailleurs. Ouais. Une bonne édition. Je suis d'accord, j'approuve. En France, c'est vrai qu'on travaille peu comparé à Taïwan, parce qu'on a 35 heures, par exemple. Mais dans la réalité, c'est qu'on bosse, quoi. Il y a de la productivité. Il y a de la productivité derrière. J'ai aussi eu certains a priori sur les Français. Pour moi, les Français ont toujours un avis. Et en travaillant avec des Français, j'aurais peut-être plus peur d'avoir en face de moi quelqu'un qui a son avis bien tranché et de devoir avoir des échanges. En Suisse, on est très courtois. Ouais. La confrontation, on déteste ça. Et je sais que les Français aiment bien la confrontation. Et moi, ça me... Est-ce que c'est un a priori ou... C'est je trouve plus... que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Ça va ? Non, ça va. Non, il va pleurer. Il pleure tous les soirs, en fait. Tristan, il m'a dit non. Mais dans le fond, tous ces stéréotypes, ces clichés, ils ont une raison d'être. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu mimi. Au revoir. Au revoir.
我们在中间摄影棚全天候都是用水神，空间比较大，可以使用的是这组，是大概是八坪左右。那么如果说空间比较小，两到三坪左右，或在车上，可以看到这是一个比较迷你的水神雾化器，在车上用也是非常的方便，可以来到快点购来买送水神，一举两得。